Et nous venons d'apprendre que le procureur de la République près le tribunal de Bermondres annonce à l'opinion publique qu'à la lumière de ce qui a été rapporté par certains médias concernant des faits de fuite de renseignements en rapport avec l'équipe de campagne d'un des candidats à la présidence de la République du 12 décembre 2019 et imputé à l'un des éléments de l'équipe de campagne. Ces faits ont fait l'objet de l'enquête préliminaire qui a permis l'arrestation de la personne concernée pour des faits d'espionnage au profit de pays étrangers. Cette personne fournissait des rapports sur la situation actuelle de l'Algérie de manière générale et sur les conditions de préparation des élections présidentielles de manière particulière. L'enquête a permis d'obtenir les informations suivantes. Le suspect faisait partie de l'équipe de campagne du candidat Ali Benflis. La personne faisait l'objet d'une enquête à confirmer avoir fait la connaissance du candidat en 2003, à qui il a rendu et à sa famille plusieurs services, entre autres le règlement d'un problème lié à l'ouverture d'un compte bancaire ouvert dans le pays étranger en question, lui appartenant ainsi qu'à son épouse. Le juge enquêteur en charge de cette affaire, et après l'avoir entendu, a ordonné sa mise en détention provisoire.